On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le lac de Montbel avec Alexis. Chaque année, on se fait au moins une ou deux sessions ici. Et ça y est, la saison du sambre a quand même bien démarré. On va essayer de voir s'il mord. Il fait beau aujourd'hui, mais froid. Il fait moins 5 degrés, mais le soleil, ça fait du bien qu'il arrive. Et on a toute la journée pour essayer de prendre avec du sambre. Ça va être sambre, sambre, vertical, vertical, vertical. Et on va essayer d'en faire quelques-uns, des jolis, j'espère. On va vous montrer tout ça et vous expliquer comment on fait. Allez! Allez. Là on se dirige vers des zones à 10 mètres minimum de profondeur. On va commencer vers les 10 mètres et on va descendre progressivement suivant les touches qu'on prend ou suivant les échos qu'on voit. Ça peut faire la différence. On va commencer petit et on montrera en taille si besoin. On va commencer vraiment sur du coloris naturel. Loupé. Ouais. J'ai pris un gratuit. Hein? Couleur naturelle, Easy Shiner, c'est le naturel que j'ai là. Mais c'est pas une vraie bonne touche, c'est un gratuit. Peut-être des perches. À la montée, j'ai monté un peu mon leurre, boum. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas énorme. Un petit brochet. Un petit brochet. Sur la montée, quoi. Un zizi broc. Oula, je vais t'abîmer si tu bouges. Voilà. Petit brochet. Tout blanc, comme tous les poissons ici. Tu vas à peine monter le leurre, c'est de 10 cm. Bon. Oh putain. Bon, j'ai de 90 mètres. Quoi? Ah ouais? C'est toi qui m'a tapé. Que j'ai remonté mon leurre, il m'a suivi. Je vais le voir redescendre. Il est juste en dessous de mon leurre.
Il est redescendu. Ah putain! GG. Ah ouais. Là, il y a du poisson. Non. Ah, décroché. Ouais. Décroché aux flottes, je l'ai vu. Quoi? Non, non. C'est du petit, c'est de 30, 35. Quoi? Un 5 pouces. J'avais pris une touche juste avant. Là, il y avait quelques poissons. C'est gros, c'est mon gars. Ah putain. Putain, mais c'est bizarre, ils te font des touches de merde. Ah, décroché, putain. Ah, ils font des touches, mais... Tu les fers, tu les loupes, ils te reprennent à la descente. Je sais pas si c'est des petits... En tout cas, il y a du poisson, là. J'ai pris des épines un peu partout, là. C'est quand on trouve des poissons, ça tape, mais quand on trouve des poissons, ça tape direct. C'est chiant. C'est beau, ils sont. Bah, comme tous les lacs. Hein. Poissons. Ah putain, décroche. Décroché. Hein? C'était peut-être ça, je sais pas. Ça avait l'air pas énorme, mais c'était poisson. Voilà, je suis en blanc. Pendu. C'est pas gros. Ah, ça se défend quand même. Ah si, c'est pas mal. Peut-être un brochet. Je sais pas. Non, ça semble correct. Pas correct. Pas gros, mais... Voilà. Ils sont de 40 à peine. Allez. Ouais, fiche. C'est 20 mètres, hein, 21 mètres. 20 mètres. C'est pas gros. Baby sound. Si. Allez, descend, descend, descend. Je ne peux pas sentir la touche. Allez,
on a mangé, c'est reparti, toujours motivé. Bon, pour l'instant, c'est compliqué, hein. On va voir si on arrive à faire un peu plus de poissons cet après-midi. On va voir ça, on va continuer toujours la même chose. Bon, on sait que la pêche, c'est plutôt entre 16 et 20 mètres de profondeur. On va continuer dans l'autre lancée, on va se foutre à ces profondeurs là et on va dériver. Il y a le vent qui s'est levé un peu, donc ça complique un peu les choses. Mais bon, on va voir. Allez, on continue, on lâche rien. J'ai. C'est vraiment pas gros. C'est vraiment pitchoun. Ouais, perche. Allez, on part. Coffret, hein. Coffret le 5 pouces. On descend un peu. Tendu. Pas gros. Ah, c'est un peu plus correct. Peut-être un cendre. Perche. Coffret. Loupé ? Coffret le 5 pouces. Je suis dans 17 là. Ouais. C'est pas gros, hein. Perch. Hop. C'est dégueulasse, hein. Sandrine, perche. Ah, oh, putain, loupé. Ouais. Ah, c'est plus joli. Oui, c'est plus joli, hein. Ah ouais. Ah, c'est lourd. C'est lourd ? Ouais. Grosse perche. C'est bon ça. Coffret. Coffret aussi, grosse perche. Elle bouffe, hein. Elle dégueule les blancs. Un peu de la masta, hein. Yes. Je vais repartir. Poisson. J'ai posé sur le fond et ça a pris. Oh, c'est pas... C'est correct. Ça sent la perche encore. Ouais, perche. Tête de les coffres. Tête de les coffres, les leurs pour le 5 pouces. Ils font pas semblant. Quoi? Ouais, putain, ce sont les grosses proies. Hein. Oh, c'est cool, au moins, on fait du poisson. Dire ça.
poisson. C'est joli. Ah là, c'est vraiment beau pour entendre. Waouh. Là, c'est solide. Là, c'est solide. Ouais. Ouf. Là, c'est lourd. Épisode. Ouf. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est une perche énorme. Big Sand. Big Sand. Là je mords encore. Oh putain, les filles. Putain. Oh putain, c'est ça. Yes. Ah, elle est venue pour ça. Elle est venue pour lui, on va. Yes. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça aussi. Il est fini vers le bas. C'est bon ça. 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 Oh, j'ai fait mon cendre là. 67. Putain, ça s'est calmé là. Putain, plus rien. C'est de reculer un peu. Poisson. Quoi? Ouais, bon. J'ai voyé au sonar, il y en avait deux. Fa, Zizi Pike. Allez, hey, décroche-toi. Ouais, parfait. Bon voilà, fin de cette journée de pêche sur Montbel. Bon alors quand même pas mal. Ouais ça va. On s'amuse bien là. Mmh. On a fait quelques poissons. Bon on venait chercher pour chercher que du cendre. Au final on a fait tout, brochet, perche, cendre. Ouais. Bon pas des gros brochets à part celui qu'Alexis rate. Ouais. C'est dommage. Un joli brochet. Ouais un joli 90 brochet. 90 et 1 mètre. Ouais un joli et brochet. Bon, et après on fait quelques cendres, quelques décrochés. Mmh. Pas mal de décrochés ouais, quand même. Et concrétiser sur ce joli cendre Alexis à la fin là. Mmh. 67 à peu 67, près, ouais, mesuré rapide à 67. Peut-être un petit peu plus, un ou deux centimètres près, mais on n'est pas à ça près. Et franchement, super journée, on s'est bien amusé. Quelques touches, c'était pas facile, mais une fois qu'on avait trouvé la pêche, on est vraiment tombé sur un pic d'activité à un moment là. Ouais, et là, ça va. Bam, 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 perche, perche, bim, cendre. Et c'était vraiment sympa, on s'est quand même bien amusé, on a bien rigolé. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager si ça vous a plu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, on est très actifs sur Instagram et sur Facebook, donc pour être informé de toutes les actualités en temps réel, de toutes nos pêches en temps réel. Et poser toutes les questions que vous voulez. Bon, nous on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo.